Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. Nous sentis, nous vraiment contents de ce que c'est la présence Seigneur a nous trouvé nous encore une fois de plus pour nous capables d'adorer lui. Jean le Mandela, disons mieux, l'adorer en esprit et en vérité. Je veux demander à chaque monde qui branche sous ligne ça, yo capable de remettre cœur yo totalement à grand roi, grand Jéhovah, dans un esprit de prière, un esprit de louange, d'adoration, car nous venons devant un grand roi, n'est-ce pas, Maestro Samuel? Yes. Nous venons devant un grand roi. Fais que vous content. Oui, fais que vous content. Si semaine passée, vous n'êtes pas content, fais que vous content, qu'on y a. Même j'ai moi-même, semaine passée, je n'ai pas content. Même tu as juste fait confiance à grand maître là, parce que je connais ça, je t'ai cherché. Je t'ai joint. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur mette joie sur cœur, moi. C'est pour ça. Demandez vous-même qui a un problème. Fait que vous content. Les problèmes sont finis, pas quitter pour vous aller. Remettre les problèmes au bail Seigneur. Seigneur a une solution à gogo. Ça c'est vrai. Quel que soit coteau, il y a, quelle que soit situation qu'il y a, quel que soit problème qu'a traversé ou là, Seigneur a une solution à tout problème yo. C'est ça que fait. Dans Psaume 100 il dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Pour que vous content, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Chers amis, c'est tout mot ça que nous utilisons, c'est une façon pour nous dire bienvenue dans le programme jeudi. Bienvenue dans le programme jeudi. Nous prenons l'adorer, Seigneur, pour tout ça l'y fait et pour tout ça l'a continué faire pendant que n'a profité pour nous dire que Père bon Dieu répande sous quel que soit côtoyer docteur Valmy et famille, tout le monde qui branché docteur Daniel, bon Dieu béni ou pour grand ministère ça, et nous demander bon Dieu dans miséricorde li, dans faveur li, dans puissance li, dans bonté li, qu'il déposer soli sous ou, qu'il déposer puissance Saint-Esprit en double sous docteur Daniel pour grand ministère ça a limité à l'évidence, de telle sorte que moun capable adorer Seigneur pour moun capable river connaît qui est ce qui l'Éternel des armées. En esprit, amen. Et en vérité. Amen. Amen. M'a ploué ou Seigneur à chaque souffle moi prend. M'a ploué ou Seigneur. C'est pour me souffrir dans l'éternité. M'a psalm, mon Dieu, encore pour toujours. M'a psalm, mon Dieu, Seigneur. Amen. M'a psalm, mon Dieu, Seigneur. À chaque souffle, moi prends. M'a psalm, mon Dieu, Seigneur. C'est mes promesses à me faire.
dans l'éternité. Ma psalmodier ou encore pour toujours. Ma psalmodier ou Seigneur. Ma honorée ou Seigneur. Chaque souffle moins prend, ma sommeil au Seigneur. C'est pour mais ça me fait dans l'éternité. Ma sommeil au Seigneur pour toujours. Ma sommeil au Seigneur, ma glorifier, ma glorifier au Seigneur. Un chape souffle moins prend, ma salue au Seigneur. Ses promesses à moins faire dans l'éternité. Ma bonne ou encore pour toujours. Ma bonne au Seigneur. Ma bloué au Seigneur. La chaque souffle moins prend. Ma bonne ou Seigneur, c'est beau promesse à me faire dans l'éternité. Ma louer ou encore pour toujours. Ma louer ou Seigneur, toujours. Ma bonne ou Seigneur, pour toujours, pour toujours. Ma bloué au Seigneur. Alléluia. Avec où moi senti bien l'air touché. Viens d'être essayé. Moi v'lais vivre là. Moment d'amour avec vous, avec vous, avec vous, moi senti mien l'air touché, vin moi tressailli. Moi v'lais vivion l'autre moment d'amour avec vous. Jésus, moi v'lais vivion l'autre, yon l'autre moment d'amour avec vous. Avec vous. Oh oui, me senti bien. L'air touché. Vin moi tressailli. Moi blé vivion l'autre moment d'amour. Avec vous. Jésus, moi, blé, vivion, là, yon, là, moment d'amour, avec vous, moi sentim bien, Jésus, moi sentim bien, avec vous, l'air touché, non moi transi, ne vivions l'autre moment d'amour avec vous, oh, avec vous. Confiez non Dieu, qu'on elle prend soin moi. Non désire. Mon amour, mauvais chemin, mais
Nan tout raka, nan la viso, nan la viso. Papa nan ciel la, la peveye mwen. Confie nan Dieu, konnen la pran soin mwen. Amen. Nan dezea, nan mouve chime, la mè pousse, bon Dieu kembe, alléluia, papa nan ciel la, la beveye mwen. Fon kapé, chers amis. Wow, regardez, me senti l'esprit bon Dieu a manifesté. Me senti présence bon Dieu dans salle là. Moi senti présence bon Dieu dans la vie ou dans moment ça. Confiez au nom de Dieu, quel que soit problème là. Confiez au nom de Dieu. Ministère pas qu'à marcher, confiez au nom de Dieu. Prier ouais pour qu'à exaucer, confiez au nom de Dieu. Maladie au vini, confiez en Dieu. Problème famille en vini, confiez en Dieu. Quel que soit problème travail, problème visa, quel que soit problème résidence, problème timounio, frère Samuel, qui ça pour faire? C'est confiez en Dieu. Alléluia. Il y a des fleurs, nous n'en chantons pas tout. Amen. Confiez en Dieu. Oh yes, papa non ciel là, un peu veillé moi. Liga de fleurs, yo non chante tout partout. Les oiseaux. Cap chop chante pour lui jusqu'à la fin. La songe moi, papa m'nan ciel là, papa m'nan ciel là, la veillez moi. Amen. Confiez nan Dieu. Qu'on est là, prend soin moi. Non déséa, quand on mauvais chemin, la mer a poussé, bon Dieu prend mes moins, lui prend mes moins. Alléluia, papa nan ciel là, la pévé. Confiez-moi dans Dieu, qu'on est là, prend soin ou non des ou non mauvais chemin, la mer poussée. Alléluia, bon Dieu, qu'aime mais moi. Kembe moi, papa nan ciel la, ta beveye, et moi confie, non Dieu, confie, grand Dieu. Amen. Moi non désert, qu'on a mauvais chemin, la mer pousse, bon Dieu qu'un bébé, papa dans le ciel là, la bébé, moi confie au nom de Dieu. Qu'on est le bon soin moi. Non désir qu'on a
mauvais chemin. La mer est possible, les possèdes pour le faire tomber. Papa, non, ciel-là, a bébé, moi. Gonchette qui dit qu'on a que. Moi, chita devant trop nous. Moi, je suis ta devant ton nom pour m'adorer. Amen. Moi, je suis ta devant ton nom. Est-ce que je suis ta devant ton nom dans un moment ça? Mon ami, mon frère, ma soeur. L'autre, t'as coup, bon Dieu. Moi, invite toi même, toujours je suis ta devant ton nom pour adorer bon Dieu. Chita devant ton nom. Parce que c'est là qui gagne la paix avec la joie. C'est là qui gagne la délivrance. Chita devant ton nom. All the time. Chita là. Seigneur, apprends main on. La main on côté le vle. Ton nom. Pour m'adorer. Moi, chita devant ton nom. Pour m'adorer. Pour m'adorer. Amen. Pour m'adorer. Pour moi louer. Moi camper devant ton nom, devant l'autel là. Pour m'adorer. Moi camper devant ton nom. Alléluia. Jésus, ô Saint, frère Jésus, la vie, moi, bon Dieu, sous toi qui pivot, qui pivot, plus haut, la veille est en vie, moi, bon Dieu, moi, ouais. Moi, bon Dieu, sous ton qui piwa, qu'a veillé sous moi, pour vie, moi. Jésus, ô Saint,
sous moun la vie moins. Quand veille sous la vie, oh oui, la veille sous tout. La vie ou la vie nous la veille sous tout. La vie nous le veille sous tout. La vie moi, la veille sous tout petit ou aux amis. La veille sous bien la veille sous tout. La mignon, la veille sous toute la vie, moi la veille, la veille, la veille, la veille, la veille, la veille, pour tout temps sous la vie, ou la veille sous nous, la vie, moi. Ça, somme 23 dit, somme 23, son somme nous connaît bien, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Chers amis, chers frères et sœurs, nous aujourd'hui à nous contents, n'a plus un grand maître là. Nous contents, nous que maestro cadet. Après ça, nous avons le combattant avec nous là. C'est Ronald Médor. Viens nous mettre Ronald. Viens nous mettre Ronald. Cap adoré avec nous aujourd'hui là. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous allons commencer avec le numéro 61. Le numéro 61. 61. En ton nom, un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mère, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louons, louange, louange, en pire honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre sauveur sur la croix. Divine source de vie, que tout en nous te glorifie, et chanter ta dilection. Ta paix, ta grâce éternelle, de jour en jour se renouvelle sur le peuple de Sion. Louange, louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire sans foi, roi des rois, roi des rois, à notre sauveur sur la croix. Jésus, reçois nos hommages, tu seras seul dans tous les âges, le cantique des rachetés. Que sauvé par tes blessures et guéri par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, 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 empire, honneur, sois à notre Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire sans foi, roi des rois, à notre sauveur sur la croix. Louange,
louange en pire honneur. En pire honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi. Oh, adéwa, oh, adéwa. À notre sauveur sur la croix. Louange, louange, louange. En pire honneur soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi. Oh, adéwa, oh, adéwa. À notre sauveur sur la croix. Alléluia, béni soit l'Éternel. Hey. Louange, empire, honneur soit à notre Dieu qui sied dans les cieux. Yes. Ah oui, il faut le louer. Yes. Tant que je vivrai, je l'exalterai. N'est-ce pas? Yes. Tant que ma vie qui soit fait, mon frère. N'a pas célébré mon Dieu. Alléluia. N'a pas célébré mon Dieu. Alléluia, alléluia. Il a parlé de numéro 17. Il a parlé ce Dieu que je révèle. Il a parlé, ce Dieu que je révère. Et des soleils éclatant de lumière. Pria soudain à son appel. Dieu puissant immortel. Oui, Dieu puissant, le tout puissant immortel, roi des cieux. Ton nom, oui, ton nom règne. Ton nom règne éternellement. Amen. Il a parlé. Ce Dieu que je révère est désolé, éclatant de lumière, pria soudain à son appel. Dieu puissant immortel. Dieu puissant immortel, ton règne est éternel. Lorsqu'en la nuit, je contemple l'armée que dans parler. Mon Dieu soit exalté, mon Dieu soit exalté, mon cœur te dit ta charité. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, musiciens. Pour tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie.
Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car Yah est grand. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Louez le Seigneur car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Nous poursuivons avec le numéro 19. Le numéro 19, du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ah non, ce que Dieu dit, il le fera. Oui, les promesses de Dieu sont certaines, et véritables. Amen. Yes. Je dis à Ebad Loknajem, c'est contentement que n'a qu'un. Gloire à Dieu. Amen. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre parfaite, ce que sa bouche en dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 car il est notre Dieu. Il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime. Sa grâce en notre cœur jamais ne se sera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur se prête. S'enfuiront comme une ombre.
donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 alléluia. Triomphant Yeshua, triomphant Yeshua, triomphant Yeshua. Ceux qui les craignent, les âges. Bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse au Seigneur. Amen. Mon Amen. Âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Mon âme, bénis les soins, le Seigneur. Amen. Amen. J'entends le numéro 103. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. Ça, c'est promesse qu'il fait. Moi-même, avec. C'est pour nous, il promet nous. Il promet nous. Pour nous donner la vie éternelle. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Mon Dieu, est mon frère. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Amen. 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 Chantez avec nous, quel que soit côté où il y a. Chantez, ouais. Chantez, levez-moi, chantez. Paye mon Dieu gloire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire. Quand m'instruise, car je suis ignorant, car Christ me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire. Parfois, notre histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle. Redites-la souvent, redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire.
franchi le péché. Ce glorieux message, oh, dites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. L'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi. Nous allons lire le psaume 91. Psaume 91. Amen. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied, mon pied, nos pieds ne heurtent contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, dit Dieu. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Parole du Seigneur. Moins besoin, plus qu'avant. Moins senti, oh, non, moins soif. Moins besoin, en yon l'autre niveau. Moins besoin. Non, yon l'autre niveau. M'ap cherché. Moins besoin. Plus que avant. Moins senti. Non, moins soif. Moins besoin. Non, yon l'autre niveau. Oh, moins besoin. Non, yon l'autre niveau. Mais moi,
Seigneur, non. Plus que en sous, moi blé ouais gloire, non en l'autre niveau, moi blé ouais gloire, non en l'autre niveau. Mais moi Seigneur, oh, chercher moins besoin plus qu'avant, moins senti non moins soif, moins besoin ou non yon l'autre niveau, moins besoin ou non yon l'autre niveau. Éternel notre Dieu, notre Père, grand Dieu de l'univers, où c'est Alpha, où c'est Oméga, où c'est le premier et le dernier, où c'est le commencement et la fin. Nous venons en pied, nous venons couper bien bas devant au Seigneur, un moment ça, pour n'abord gloire et honneur que vous-même seul méritez. Pas gain l'autre temps court, Seigneur, pas gain l'autre temps court. Tout ça que tu es venu, tu es mort, tu pas ressuscité. C'est au même seul, après 3 jours, ressuscité. Nous dit, béni soit l'Éternel, avec ton sang purifié. Ton sang, Seigneur, qui pardonne toute faute, nous, toute iniquité. Nous. Tu as gardé en nous le souffle de vie jusqu'à cette présente minute, Seigneur. Nous dit, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu as conservé en nous le souffle de vie. Côté Kounia, Seigneur, c'est une bagarre qu'on a parlé plus. Il n'y a pas qu'à respirer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes capables de lever voix nous devant, Seigneur, avec toute faute, toute iniquité. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, avec ton sang précieux. Si nous vivons, Seigneur, c'est grâce à vous. C'est vous-même qui avez nous en vie. Parce que, Seigneur, nous avons une mission pour nous accomplir pour nous. Pour nous accomplir pour vous, Seigneur, pour nous passer tout côté nous y est. Là, nous garder nous pour nous capables de voir Jésus. Là, nous parler pour nous capables de voir au Seigneur. Mais pour sa fête, c'est pour nous imprégner de ton Saint-Esprit, afin que Seigneur lui demeure dans nous-mêmes. Reste avec nous, Seigneur. Dirige-nous. Protège-nous. Bénis chaque participant dans le programme, ça, Seigneur. Dans le programme de louange, ça, Seigneur. Béni ministère la Seigneur, son ministère pour qui transformer la vie monde par le sang de Jésus. Son ministère pour qui leur au monde tendel pour qu'attendait au Seigneur. Pas pour ça y a garder non, mais pour inspiration qui monte dans tête Dieu pendant n'a pas adoré là. Que cet esprit demeure sous nous. Reste avec chacun de nous Seigneur, principalement Docteur Seigneur avec Gospel Total Ministry. Que chaque participant la donne. Que chaque nous-mêmes qui faisons un bagage, nous faisons pour ton honneur et pour ta gloire. Et qu'on ça, Seigneur, nous capables de partager parole que nous avons besoin d'entendre. Merci Seigneur pour tout ce qu'on fait pour nous. Tout le monde qui a attendu, monde qui a gardé. Que nous au Seigneur, nous touché par ton Saint-Esprit. Afin que si vous êtes malade, vous capable de transformer. Yo. Ou capable de force, mettez force ou dans faiblesse. Yo. Moun kap souffre de toutes sortes de mal qui gagne Seigneur. Rete avec yo, demeurez la kayo. Fait ou mettez confiance ou nan ou même et nan ou même seul. Le monde est bouleversé, nous n'avons rien à craindre. Car, Barala dit, si l'Éternel ne garde pas la maison, celui qui la garde vient en vain. Mais nous connaissons Seigneur, c'est toi qui nous garde. Ou pas dormi, ou pas kabicha. Parce que ouvrez pour un branche cheveux pas sauter dans tête petit tout. Et si on branche cheveux sauti,
c'est volonté. Parce qu'on dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Seigneur, prends soin de nous. Reste avec nous. Garde-nous. Nous prions. C'est par la grâce de Jésus qui t'est venu mourir sur le bois infâme du calvaire pour le bannir la vie éternelle. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon. Moi, Seigneur, grand goût pour présence. Pardon, on a invité Docteur Daniel dans ce monde. On a demandé Seigneur à parler pour lui dans place. Li. Nous t'a remé. Ouais, gloire, bon Dieu, dans l'autre niveau à travers ce monde. Nous pas demandé bon Dieu ça pour le faire. Nous pas commander. Mais on a demandé bon Dieu. Fais grâce à serviteur lui. Pour parole lui qu'il va le prêcher dans nous. Non, non, lui. Alléluia. Vive le sang de Yeshua. Amen. Avant que le docteur arrive, achète ton soeur, couplet. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur. Marcher en ta présence, fidèle et doux sauveur. Dans une humble assurance, en ton bras, en ton cœur, ne cherche qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Ne cherche qu'à te plaire dans tout ce que l'on fait. C'est le ciel sur la terre, c'est le bonheur parfait. Après le deuxième couplet. Hein. Ainsi devant ta face, comme une prière. Feu, conduis-nous chaque jour et que l'esprit de grâce verse en nous ton amour. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Si le péril augmente, augmente-nous la foi. Tu restes notre attente, ô Jésus notre roi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cadet, viens m'aider, s'il te plaît. Pour le micro. Oui, nous disions tantôt bonsoir à tous et à chacun. La technique soit résolue, c'est pourquoi j'ai dû appeler Maître Cadet pour m'aider. Et sitôt fait, nous allons continuer, commencer. Merci. C'est vraiment un grand plaisir, une fois de plus, en ce nouveau week-end, de chercher la présence du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Il a dit dans sa parole que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous, sans aucune exception. Et c'est ce que veut faire Gospel
Total Ministry. En cet instant, Gospel Total Ministry vous accueille chaleureusement chez vous, à la maison, pour une expérience virtuelle, spirituelle et authentique avec le Créateur. La vision de Gospel Total Ministry est simple. Être un phare spirituel pour amener les gens à vivre une vie épanouie. Notre mission, c'est adorer, louer, enseigner, servir et diffuser la parole de Dieu dans le monde entier. Donc, chaque week-end, de 8h30 à 10h30, à travers Facebook et YouTube, vous pouvez capter Gospel Total Ministry. Et ce que nous vous demandons, c'est d'avoir l'habilité de prier pour le ministère, de visiter le website et de vous abonner, ensuite de partager ce que vous voyez, ce que vous entendez à d'autres amis. Merci beaucoup. Je tiens à remercier mes collègues immédiats qui nous permettent de continuer la besogne. Je veux parler de Maître Valérie Cadet, de Samuel Augustin, de Maestro Prophète, du clarinettiste Daniel Beauville, de mon ami, mon beau-frère Anak Erivo, et d'un ami qui vient de nous joindre, Ronald Médor. Que le nom du Seigneur soit béni et célébré pour ces jeunes, ces gens qui ont décidé de nous aider dans ce ministère. Il y a d'autres noms qui sont omis parce qu'il m'a été demandé de ne pas citer leurs noms, mais ils se connaissent. Bon, et aujourd'hui, je voudrais présenter en guise de méditation et un texte que nous lisons en Job. Job, chapitre 6, les versets, Job 32, verset 6. Problème technologie encore une fois. C'est pourquoi il ne faut jamais compter sur la technologie. Oui, je disais tantôt que nous allons trouver notre texte de méditation aujourd'hui en Job 36 au verset 5, la première partie. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Juste avant, prions le Seigneur. Notre Père bien-aimé, nous voulons te remercier du tréfonds de nos êtres, de notre être personnellement et de tous ceux qui ont contribué à ce programme. Nous voulons te remercier et te louer car nous savons que tu peux nous parler par ton Saint-Esprit et mettre sur nos lèvres ce qu'il faut dire pour l'édification des âmes de tous ceux qui nous écoutent. Merci et gloire à ton nom. Oui, bien-aimé de partout. Nous voulons vous renouveler notre amour et nos souhaits de bien-être, même au milieu de la fournaise des épreuves de toutes sortes et de toutes parts. Je vous avoue qu'il faut un mal courage pour venir par devant vous et vous apporter la parole du Seigneur. Nonobstant, garder le mutisme serait pire. Pour nous autres chrétiens, notre seul recours et en El Shaddai. Alors il faut toujours nous tourner vers lui. En ce moment, je vous soumets encore une fois une partie du verset tiré en Job 36, verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Le temps ne nous permet pas de vous parler abondamment, de faire une approche exégétique de Job ou d'étudier ce chapitre. Pourtant, je ne peux ignorer le rapport apparemment antithétique qui existe entre la puissance du Créateur et sa bienveillance. Job est affligé.
Job est souffrant. Mais il ne peut ignorer la grandeur et la compassion du souverain maître qui n'a de compte à rendre à personne. Sous le poids de l'affliction, Job est tiraillé entre la rébellion et la soumission. Il choisit de s'agenouiller en robe d'humilité devant un tel Dieu, car Job demeure convaincu que son Rédempteur est vivant et fidèle. Alléluia. Amen. Jéhovah ne peut pas renoncer à ses attributs, y compris sa fidélité, sa miséricorde. Et selon les psaumes de David, psaume 22, verset 25, je crois, psaume 69, verset 34, et psaume 102, et verset 18, David nous dit que Yahweh Shabaoth n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. C'est-à-dire, il prête une attention soutenue aux peines du misérable. Il ne cache point sa face, mais il écoute quand les pauvres, les affligés crient à lui. L'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise point ses captifs. Jéhovah est attentif à la prière du misérable, il ne la dédaigne pas. Il est d'usage chez les théologiens et les chrétiens, les croyants, de claironner la puissance divine. Nous autres, nous voulons mettre l'emphase surtout sur le fait que Dieu ne rejette personne. Et Christ de surenchérir en Jean 6, 37, « Je ne mettrai pas dehors quiconque vient à moi. » Quelle belle assurance, bien-aimé de partout. Il faut être convaincu de l'amour indéfectible d'Adonai pour tous les humains sans aucune exception. Généralement, je parle un peu d'anglais pour ceux qui sont des anglophones. Let me be real with you. I grew up in a family, in a church, where the emphasis was on God's law, God's rule, God's principles. Don't do this, don't do that. Things were so strict, so rigid, that my friends and I were always reminded about the laws of God, but hardly about God's love. We had a fuzzy view about the God who gave us love, those laws. We were walking by fear, not by faith, not by grace. I always wanted to be great, to be good, but just to be loved by God. I'm sorry to do that, but at that time, few youngsters like me could get praise or be congratulated for anything. If you come with a report card that says you are in second place, the next question is, what's wrong with first place? Why can't you be number one? If you get an A, a B, why not an A? Those of us who were longing for affirmation kept competing to be number one in everything. It was a stressful situation to try every single day to please everyone else but ourselves. We were longing for the approval. It did not take us long to project on God what we were experiencing with the adults around us. We were hard on ourselves for days for any mistake. Personally, I had no time to be depressed or feel sorry for myself. No, because I was always thriving to be approved by my surroundings, to be approved by my peers, by the church board, and even by God, unfortunately. As a result, I was, or have been, a Pharisee. Rules upon rules, principle upon principles. In the eyes of the church, I was so good that by age of 19 or 20, I was deeply involved in the church board, youth leader, lay activities, even becoming part of what they call church conductor, a church elder not yet ordained. I was so strict
I must confess, once I had the nerve to propose to this fellowship a family member, because according to me, she was not doing things the way I knew things should have been done. I was merciless. I was like Saul of Tarsus before he became Paul. I thought I was doing great because I was practicing church. I was practicing religion without properly understanding the Lord of the church is meek and lowly in heart. I could not enjoy the years of my youth with all these rules. I could not find rest unto my souls. I was practicing the religion. I blame no one but myself. Dear friends, it took me some time to realize that God loves me in spite of my shortcomings, to realize that truly there is no salvation but through Christ's grace by faith. We are all sinners. God loves us, and his love for me and for you is unconditional. Whatever the sins, Christ's blood can wipe them all away. I'm telling you this now. If anyone is serving God with fear, if serving God under stress because of some sort of guilt, let it go. Come to Jesus. The true God wants you to come as you are. He will work on you for the changes. But don't worry about changing. He will help you change. Do not let people define God for you. Are you listening? Get to know God personally. And you can say like David in Psalm 34 verse 8, after knowing God for very well, you could say, "Oh, taste and see that the Lord is good." Hallelujah. Oh, yes, my God is kind. My God is merciful. My God is understanding. My God is gracious to all who come to him. Make him your best friend. He will not be a friend in private and ignores you in public. He won't betray you. And when the worst of times comes, all of us can trust in God. All of us can cast our care upon him. In time like this, when we have so much trouble, we need a savior. We need a friend. And he is here. And he's there for each and every one of us. Dear friends, many people only live by rules. They cannot keep up, but they want to use those rules to judge others, always spying on them with an aura of superiority. I am here to tell you that the true Jesus is not like that. The real Jesus I know is kind, loving, welcoming, forgiving, understanding. I can challenge anyone listening to show me when someone, anyone came to Jesus and Jesus was too busy to listen to them, too busy to sympathize with him, or too busy to comfort her, to heal her. No one left the presence of Jesus empty-handed. This is why I am challenging you to accept the philosophy of gospel total ministry, because we stand for loving everyone, not discriminating against anybody. I would like for all of you to get a personal encounter with the authentic Christ, to learn his attributes, to realize how much he loves us, and to never feel we are too far gone to come to God. Stop going to the motion. Stop practicing religion. Stop playing church. God is willing to accept us all. He is willing to save us all. We are all sinners. Don't let anyone fool you. Only through Christ can we be saved. Again, Christ, Yeshua, Messiah states, in John 6:37, I will not
cast away those who come to me. So our Heavenly Father, who according to Job 6 verse 37 rejects no one, is talking to you. He's talking to me. He's reminding us that Christ will never kick us out if you come to him. Please listen to his voice. Forget about all the humiliations, the false accusations, the judgmental looks, the deception, the feeling of unworthiness. We are all unworthy. No one dies for you but Jesus Christ. And he's not about to kick you out. Never. That's why you must seek him. You must learn from him. You must pray for him to help you. And if you need prayer, by the way, you can text us at 855-271-8737. If you need prayer, you can text us at 855-271-8737 or 917-830-7484. We will put you on the prayers list and we will ask the Lord to drive your, to guide you, to help you work and walk by faith. We need to be convinced of Christ's love and what he stands for. Not for competition, not for judging anyone, not to put on a show, but for saving the defenseless, for feeding the poor, for alleviating misery, suffering, to care for those who are sick, depressed, confused, worried, or consumed by fear. Take a look around us. There is suffering everywhere. Everywhere on this earth. Oh, Lord. There are so many in need. They need health. They need basic necessity. They need stability. They need security. They need clothing. They need eating. They need a roof under their head. Only God can save them. Only God can save you. Only God can help us to help them. Let us all accept to do his will. Let's get Jesus into our hearts. Let's get closer to him. Let's study about him. And I'm convinced things can be better even before Christ returns. So I challenge you to give Christ the best place in your heart. Because he said, I will not cast out those who come to me. Mais bien aimé, en Job 36, verset 5, l'auteur nous dit que Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Une conjonction d'opposition. Ce n'est pas Dieu est puissant et non, liaison. Non, non. Dieu est puissant, malgré la puissance divine, il ne rejette personne non plus. Bien aimé, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, nous dit Jésus en Jean 6, verset 37. Comme fils de Soriette, je ne peux pas compter combien de fois il a poussé d'hommes dehors. Permettez que je vous fasse une question personnelle. Vous a-t-on jamais claqué la porte au nez ou à la barbe? Ça m'est arrivé plus d'une fois. Surtout quand j'étais jeune. Bon exemple, je me souviens toujours, Kouléa même. C'était au cours des années 72-73. Pendant que moi, tapflonné, l'auditorium de la Bible, on venait de l'inaugurer. Et comme j'avais vu beaucoup de gens, une animation fiévreuse, ma curiosité eut la meilleure raison de moi. Et je me suis permis d'aller à l'intérieur de l'auditorium. Il y avait une fête pour tous les grands hommes de la terre à cette époque. Et puis, je me suis permis de m'asseoir jusque derrière. Quelques secondes, comme on dit, venu côté, me dit, « Hey, tu m'asseoir, fais là !» Je lui ai dit, « Non, je viens assister, c'est l'église où je viens. » Non, non, ce n'est pas l'église ça, je dis. Ok, fais-moi parole là, ou bien
mettre dans la coffre machine. Mwen. Devant toutes les belles filles de Sacré-Cœur, toutes les belles filles de ma petite chose, reprendre toutes les mille adresses, toutes les belles monde qui étaient dans la zone là, toutes là, y a ri, y a regardé comment y a poussé d'hommes, mettez-moi dehors. Donc vous comprenez comment j'apprécie mieux que tout autre le fait que le roi des rois, lui, m'accueille. Il m'annonce qu'il ne me mettra pas au dehors. Jamais ne me mettra-t-il au dehors. En effet, sa porte est toujours ouverte. Christ nous ouvre les bras et nous dit, mon enfant, viens me trouver. Es-tu fatigué et chargé? Je te donnerai du repos. Fais-moi confiance. Je ne te mettrai jamais au dehors. D'ailleurs, parents authentiques, ou ce travail, ou pas de la caillou, si vous êtes chargé, bouche qui chargé à sauce poids, mène sale la boue, et vous ouvrez la porte, vous ouvrez deux bras le bas. Vous n'avez pas le choix, c'est ouvrir les bras pour accueillir après, ou jeter la cravate là, ou nettoyer la veste là, ou bien robe la corsage là. Mais vous accueillez toujours votre enfant. À plus forte raison, le roi des rois et le seigneur des seigneurs nous accueillera-t-il? Car lui-même, il t'a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Oui, bien-aimé, contrairement à tous les autres, Christ est aimable, accueillant et doux. Il a un dossier pour le prouver. Il a un passé pour le prouver. Par exemple, au cours de sa carrière, il fait une rencontre avec la Samaritaine qui est dans la fornication. Ça le dit, Fanny, la Samaritaine, non? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parce que bon Dieu, est toujours dans nous, potentiel, ça nous a devenu. Au lieu pour le juger, nous, pour ça nous a fait, il est dans tout, ça nous a fait pour le bien de l'humanité. Accueilli avec respect, sachez un petit voleur. Bon Dieu dit, Jésus dit, bienvenue, sachez, descends. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Paul est un criminel qui tue les chrétiens. Christ dit, bienvenue est un instrument que j'ai choisi pour prêcher ma parole. Marie, la femme pécheresse, Jésus permet de laver les pieds du maître et Jésus accueille. Pierre, son bon ami, son disciple, le trahit, il pardonne. Il dit, al dit disciple, al dit Pierre, côté plus jeune. L'un des larrons est un criminel notoire. Jésus accueille. Jésus dit, tu seras avec moi dans ton royaume. Ce n'est pas un problème pour Christ. Le Christ est venu pour tous, toutes les couches sociales. Il nous voit pour nos potentialités. Christ a toujours été humble, sage, compatissant, accueillant. Donc avec nos peines, avec nos déceptions, avec nos humiliations, nos maladies, nos insatisfactions, nos frustrations, le chômage, le divorce, infertilité, la perte du petit monde, enfants, parents, prison, bagaille désolé, confusion, conflit, dépendance ou addicté, pas gain péché, bon Dieu, pas qu'à pardonner, si vous venez pour confesser le bali. Votre foi est vacillante, eh bien, viens au secours, il vient au secours de votre incrédulité. Vous avez une connaissance limitée, vous êtes découragé, désespéré, rejeté, ignoré, oublié, méconnaissable par toutes sortes d'abus, solitaire, ou sentez-vous indigne, ou sentez-vous exclu de la société, ou sentez-vous sont des gens, parmi les gens marginaux, ou sentez-vous sont petites soyettes, quel que soit ça lié à, vine joindre Jésus. Christ ne se détourne pas et ne se détournera jamais de nous. Gardons mon Dieu, gardons Jésus. Pour venir à Jésus, on vient à lui tel qu'on est. Tu n'as pas besoin de cérémonies, de longs discours, des excuses, de rituels. Non, tu viens à Jésus comme à un ami fidèle qui a épongé tes dettes. C'est Jésus qui le fait. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, d'avoir honte. Si Jésus t'invite, c'est parce qu'il t'aime et il veut te justifier. D'ailleurs, c'est dans ce but qu'il est venu mourir sur la croix. C'est un merveilleux sauveur.
Il appelle chacun de nous instamment. Oh, merveilleux, sauveur-nous, merveilleux. Les hommes peuvent vous heurter, les hommes peuvent vous blesser, vous condamner, mais nous avons affaire avec Jésus. Lui seul pardonne, lui seul accorde le salut. De mon temps, en Haïti, régime politique dur, dictature, ça a un impact sur la société. Rigidité un peu partout, à la maison, à l'école, à l'église. On nous met toujours sous pression, pression pour se conformer. Autrement, c'est un cas fédéral. Des fois, on devient plus royaliste que le roi. On devient des pharisiens juniors, candidats à dépasser les seniors. En phase religieuse, c'est les interdits. Pas fait ceci, pas fait cela. On oublie de nous enseigner que le salut est par grâce. Qu'il n'y a de salut qu'en Christ et non par nos œuvres méritoires. On devient des espions qui surveillent les faux pas des autres. Pas pour les exhorter ou les aider, mais pour les accuser, pour les acculer, bien-aimés. On pratique la loi de Dieu et on néglige les attributs de ce même Dieu qui a fait les lois et qui, par amour, a consenti à laisser son Fils unique venir mourir sur la croix pour nous sauver, nous les hommes pécheurs. Balaté miel, lui, à l'époque. M'a banou exemple. Ma parole avec nous, I'm telling you what it is, as it is. Gon gros chabrak l'église, qu'elle visite un petit soeur. Là, elle visite soeur, et puis soeur a une petite pièce bien décente, propre, les petits, mais propre. Mais le gros chabrak l'a gardé sous cabane, non? Lui, il y a deux oreillers, côte à côte, et puis après le visiter, le prier, et puis l'aller. Là, la commission de nomination, yo proposé sœur pour diaconesse. Moun ki ta visite la di, on nous faut camper sous sœur non. On nous faut camper pour sœur, sous sœur pour le moment. Pour qui ça? Parce que dans tête yo, parce que yo te wè deux oreillers, peut-être sœur a te gon l'autre moun qui te dormi avec. Bien-aimé, ça va être terrible. Même kou li a bagay sa continue. Ici aux États-Unis, il y a des sœurs et frères qui réalisent la misère noire qui règne dans une certaine région d'Haïti, avaient décidé d'envoyer du secours en argent, en espèces et en soins médicaux. Mais pasteur dans la province là, dit mon yo, avant nous voyer secours, n'a voyer mon moyen, mon cap vini yo, make sure que yo pli ba une longue liste de restrictions. Pas gen perruque, il va prendre mon qui gen perruque. Il va prendre mon qui est tresse, il va prendre mon qui est jong rosé, il va prendre mon qui est bouche rosé, il va prendre mon garçon qui est pantalon pas d'éléphant, il va prendre garçon qui est pompon, il va prendre cheveux pompon et pas de mini jupe pour